ex-premier ministre est aussi sorti de ses bureaux climatisés pour une descente dans la périphérie de Kinshasa, se faire une idée des emplacements de quelques-unes des 1000 écoles qui seront implantées à travers le pays. Bibi Chungwa sous les images de la primature. Avec le lancement par le gouvernement Matata du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires, l'espoir entrait de renaître dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. En tout cas, une idée géniale du président Joseph Kabila, ici matérialisée par son premier ministre Matata Ponyomapon, qui a inspecté ce 16 juillet les travaux des constructions des 1000 écoles sur fonds propres du gouvernement, une première dans l'histoire du pays. Le complexe scolaire Kimpeti, à 139 km de Kinshasa, sur le plateau des Bateke, dans la commune des Maluku, connaît déjà les effets de la modernité. Il en est de même du complexe scolaire Saint-Luc, dans la commune de Lancélé, et dont les nouveaux bâtiments poussent miraculeusement au point de convaincre le plus sceptique. Les élèves de cette école primaire fréquentaient autrefois les locaux de l'école maternelle Petit Poisson, et cela en deuxième vacation. À l'école primaire en Vundu, à Kimbonseke, où le chef du gouvernement avait posé le 13 avril 2013 la première pierre de construction, tout comme au complexe scolaire Onel, dans la commune de Kasavubu, les travaux avancent au pas de géant et les ressources sont disponibles, à rassurer le Premier ministre. Nous insistons pour que le ministre de l'EPSP, M. Macaire, qui est un professionnel, un doyen dans le secteur, puisse consommer cet argent rapidement. Parce que le chef de l'État a dit consommer 1000 écoles en une année et il nous donne encore de l'argent pour 1000 autres écoles dans la prochaine année. L'action est largement saluée par la population. Nous remercions le ministre Macaire qui s'est impliqué et personnellement pour que se réalise ce projet et le premier ministre qui a disposé un fonds pour la réalisation de ce projet. 6 salles de classe, latrines modernes, bâtiments administratifs, tout cela a construit dans 3 mois. Voilà ces beaux cadeaux du président Joseph Kabila Kabongé à la jeunesse et au profit de chaque école ciblée.